La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps Vivre bien, vivre mieux vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Comment visiter un musée, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Valentina Kika de Payot Libraire. Bonjour Valentina. Bonjour. Comment visiter un musée? C'est un guide pratique pour voir un musée autrement. Exactement. Alors en fait, l'auteur essaye de mener en fait le lecteur dans des sentiers un peu différents. C'est vrai qu'on a tendance à entrer dans un musée, à suivre les salles numérotées dans l'ordre. Et en fait, ce qu'il nous conseille, c'est de faire autrement, de déambuler comme on veut, de s'arrêter autant de temps qu'on veut devant un tableau. Parfois, on n'est pas obligé de faire toutes les salles. C'est des conseils qui sont peut-être un peu difficiles à suivre parfois, notamment quand ils conseillent de toucher les œuvres. Ça ne peut pas être toujours le cas, effectivement. Non, parfois, voilà. Ça arrive, exactement. Il y a des musées qui organisent des visites pour non-voyants, auxquelles les voyants peuvent assister. Ou alors de s'adresser au gardien de musée pour lui demander quelle est son œuvre préférée. Enfin, c'est des approches vraiment très différentes. Des approches, donc, des conseils pour la visite, mais aussi des conseils pour voir des œuvres différemment. Par exemple, quand on se retrouve devant une nature morte ou un paysage, qui ne sont pas forcément des tableaux qu'on aime regarder, de prendre le temps de s'arrêter et puis de bien regarder le tableau, de voir les particularités. Et puis parfois, on peut faire des découvertes. Des découvertes aussi dans les boutiques du musée, qu'on oublie parfois. Exactement. Alors là aussi, il conseille de s'arrêter, d'acheter peut-être une ou deux cartes postales, parce que ce sont des souvenirs en fait d'une visite qu'on a faite. Et puis quand on regarde la carte postale à nouveau chez soi, ben, ça permet de se rappeler de ce qu'on a vu. Des choses assez merveilleuses et d'émotions. Merci beaucoup, Valentina. Ben voilà, vous aurez tout compris. Il fallait peut-être temps de visiter un musée autrement. Et ce livre, je le recommande vraiment parce qu'il n'y a pas de règles en la matière. Marc Page, c'est terminé pour l'instant. Mais nous vous ferons visiter d'autres univers très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et Notre Temps Vivre Bien, Vivre Mieux vous ont présenté Marc Page.